quand les gars sentent que tu n'as pas besoin d'elles et puis d'autres personnes te veulent, elles te veulent. Même si c'est une de tes amies proches, je te jure que si elles commencent à te voir des gars qui sont bien, c'est amitié, mais si elles commencent à te voir des gars qui sont bien, tu vas voir. Ouais les gars, c'est comment? C'est comment? Comment faire pour que la petite te poursuive? Au début vous causez, tu sens qu'elle est intéressée, mais elle n'est pas tellement intéressée. Son intérêt est là, hein, mais c'est pas tellement haut. Comment faire pour qu'elle te poursuive? Moi je te dis, ça marche les gars! Faut pas qu'ils vont vous dire que ça marche pas. C'est parce que ça marche qu'ils veulent pas qu'ils parlent. Ça marche! Vous qui êtes testé, vous savez que ça marche. Ça marche très mal. Mal même. Voilà. Donc, une go, elle qui tu dis en fait, qui n'est pas vraiment, elle est intéressée, mais son niveau d'intérêt n'est pas tellement élevé là. La première chose que tu dois faire en fait, c'est, tu dois t'éloigner. Voilà. C'est ça, on dit pull back. Mais le problème, les gars, c'est qu'en fait, ils ne savent pas faire ça. C'est bien, je peux parler, tu as compris, tu as dit c'est vrai, hein, tu as dit ouais, ce que Dave dit c'est vrai. Mais en fait, la plupart du temps, le travail se fait au niveau de l'action. Tu as compris, maintenant applique. Tu as compris, non? Maintenant applique. C'est de ça qu'elle parle. Voilà. Donc, quand tu causes une go et puis tu vois qu'elle est intéressée, mais elle ne veut pas bien s'ouvrir, elle ne veut pas bien s'ouvrir, tu pull back. Fort même. Voilà, genre tu causais elle, elle était contente, mais elle ne veut pas faire avancer les choses. Elle était contente, elle ne veut pas faire avancer les choses. Tu pull back, très mal. Quand tu commences à pull back, on, dans sa tête, elle commence à se dire, mais lui a même, attends, on est en train de causer, non? Et puis un coucou, il a disparu. On est en train de bien s'entendre, non? Un coucou, il fait bizarre. Tu n'es pas obligé de pull back, de ne plus répondre à ses messages, en fait. Mais il faut faire comme elle te fait, là. Comme elles vous font, faites ça. Tu commences à devenir lent dans les messages, à répondre lentement, à répondre hey, pas trop d'intérêt. Tu pull back un peu, jusqu'à ce que tu pull back même. Voilà, là maintenant, tu disparais, elle ne te voit plus. Quand tu commences à faire ça, elle commence à se poser des questions. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle joue pendant qu'elle sait que tu es intéressé. Elle aussi, elle est intéressée, mais elle veut jouer, non? Jouons. Apprenez à jouer les gars, ce que vous dites est vrai. Quand tu finis le pull back, elle commence à se poser des questions. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Deuxième chose à faire. Faut commencer à la flasher, à la pâter. Voilà. Quand tu commences à faire ça, tu as pull back, non? Maintenant, tu la flashes maintenant. Tu postes les stories. Tu es en train de t'amuser. Et d'autres go. Tu sors, tu t'envoies. Elle voit que d'autres gars sont à tes côtés, ce genre de choses-là. Je vous dis que n'ayez pas peur que d'autres gars vous voient avec d'autres gars. N'ayez pas peur de ça. Elles aiment ça. Tu vois que une te dit qu'elle est fan de Tory Lanez, non? Quand une est fan de Tory Lanez, elles toutes sont fans de Tory Lanez. Elles toutes préfèrent se battre pour avoir Tory Lanez que de se battre pour un falacha qui est assis ici, qui les attend. Les gars-là n'aiment pas la facilité. Pas même quand tu tombes sur les go qui sont faciles là, ça t'enjaille pas parce qu'il n'y a pas de challenge. Quand les choses sont faciles, on ne prend pas ça au sérieux. Sérieusement, quand les choses sont faciles, on ne prend pas ça au sérieux. Voilà. Donc, quand tu commences à faire ça, tu commences à lui montrer que, ah, genre, je peux m'amuser sans toi, je peux vivre sans toi, il y a d'autres go qui sont gamés sur moi, il y a une vie sociale. Tranquille, il y a des amis qui m'apprécient, il y a des gens à mes côtés qui m'apprécient, il n'y a pas besoin de toi en fait. Automatiquement, elle commence à changer d'esprit. Voilà, elle commence à bien se comporter. Les gars, je vous dis la vérité, je dis les N-Go, au début, on s'est vu. On se voyait sur internet en fait, et puis on s'est vu au supermarché, c'était la première fois qu'on se voit en fait. Vous voyez un peu, non? Et puis maintenant, quand on s'est vu
il n'est pas reconnu. Tu vois un peu, non, moi, j'ai juste trouvé que la goal est jolie. Tu vois un peu, on se regardait, mais après, je suis parti. La goal m'envoie un message pour me dire que toi, tu m'as pas vu, quoi. Bah, il ne savait pas que c'était la goal qui était là. Vous voyez un peu la science, non? Donc, la goal m'envoie un message. Toi, tu m'as pas vu tout ça. On avait les numéros, mais on se parlait pas vraiment. On a commencé à se parler, parler. Ça coulait. Maintenant, moi, lui dis, Yafoy, fais on se voir. Elle dit, Yafoy, que ah, on se voit vendredi. C'était un lundi comme ça, on se voit vendredi. On s'était un mardi, elle dit, on se voit vendredi. Je dis, y a pas de problème. Donc, vendredi arrive. Hey, let's go. C'est moi qui ai créé le jeu. C'est moi qui ai créé le jeu. Vendredi, il fait signe à la petite, non? Hey, God. Elle fait bizarre, elle pull back que non, elle doit faire ci, elle doit faire ça, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Là, si elle avait dit non, faut venir, elle allait pull back hard. Mais lui a dit, il n'y a pas de problème. Le même soir, je suis sorti à une autre go. On est parti chiller, on est parti boire vin, on est parti bien s'amuser. Et poste ça sur ma story WhatsApp. Elle voit. Vous pensez qu'elle a bloqué quoi? Elle voit. Ce que tu voulais pas. Voir ça. Les gens, tu pensais qu'il n'y avait pas d'option quoi. Voir. Je suis une autre petite. En train de kiffer. Et puis elle lui parle plus pendant une semaine. Elle voit mes statuts. Toute la semaine, il m'a kiffé sur moi. Il m'a kiffé. J'ai mes gars, il m'a chillé, m'a chillé. Un moment message me dit quoi, quitte toi là. Donc c'est comme ça quoi, notre amitié c'est comme ça, on fait quoi, qu'on vu il y a quoi. Au moins deux jours elle lui répond, je lui dis que mais non, c'est pas ça, elle était un peu occupé qu'on, mais c'est toi qui as badé, fais on se voit. Les gars, elle est venue, il y a même pas parlé, elle est venue parce qu'elle a compris que lui il n'a pas besoin de moi. Sans moi, il kiffe. Sans moi, il vit sa vie. Sans moi, il gère les bails. Elle est venue. Elle venait me voir chaque jour. Chaque jour, pendant moins de deux mois, elle venait me voir chaque jour. Les gars, je vous dis là, ben, quand les gars sentent que tu n'as pas besoin d'elle, et puis d'autres personnes te veulent, elles te veulent. Même si c'est une de tes amies proches, je te jure que si elle commence à te voir des goûts qui sont bien, c'est amitié. Mais si elle commence à te voir des goûts qui sont bien, tu vas voir, elle va commencer à bien se comporter, elle va commencer à faire d'une certaine manière pour que tu prendras qu'elle est intéressée. Il y a une autre go qui m'a fait ça aussi. Pendant que je gérais une go qui était là, elle qui était dont je vous parle là. Il y a une autre go, comme elle a vu que j'ai une go qui est bonne là. Elle aussi, là, c'était mon amie, elle a commencé à se dire. Les moments, concentrez-vous. C'est le game qui est là. Je vous donne le game. Elle aussi, c'était mon amie. J'ai jamais eu d'intérêt pour elle. Elle a commencé à faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que il y a d'autres go qui sont aimants. Voilà. Et puis quand elle voyait dans mes vidéos, elle voyait que l'autre go, je la faisais rire, je la faisais kiffer. On était toujours en train de s'amuser en fait. Donc ça fait que quoi? Elle veut ça. Si Dave peut amuser une petite comme ça, il peut la faire rire, il peut l'enjailler comme ça. Moi aussi, je veux ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gars ont peur de manquer les occasions. Ça, c'est moi, je vous dis. Elles ont peur de manquer les occasions. Elles ont peur, en fait, que vous allez kiffer sans elles. Elle a peur de manquer ça. Donc, quand tu fais ça comme petit, même si elle n'est pas intéressée, même si tu es filmé, tu vas voir. Même si c'est pas une histoire, je vous dis que c'est pas une histoire d'être beau, c'est pas une histoire d'être temps. C'est une histoire de game, c'est le jeu. Si tu sais jouer, tu as sonné les oui, que les tontons même là, ils croient pas. Juste parce que tu sais jouer en fait. Si tu as l'argent même là, oh c'est gâté. Fais ce que tu dis. Je vous dis là, les gars, faites ce que vous dites. Si vous voyez pas de résultats, hein, venez me dire. C'est ce qui se passe, c'est vrai. Voilà, donc c'est quelques techniques que vous êtes données. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent aller en profondeur, ils n'ont qu'à venir sur ma liste privée. Là-bas, ils rentrent dans les sujets en détail en fait. Il y a plein de sujets que traite là-bas. Voilà.
Voilà, il y a plein de sujets qui traitent là-bas. Envoyez-moi un message, puis abonnez-vous sur Instagram aussi. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est en bas. Voilà, vous allez voir. Vous pouvez m'envoyer des messages là-bas, il répond à tout le monde. Envoyez-moi des messages, il y a fort les gars. Voilà. Ton nom, ben.